Finalement, après quelques années, tes rêves ne sont plus ceux d'une enfant. Et les roses posées dans ta chambre remplacent aujourd'hui les fleurs des champs. Et c'est le temps qui, et c'est le temps qui. C'est le temps qui court, court, qui nous rend sérieux. La vie nous a rendus plus orgueilleux.
plus orgueilleux. Parce que le temps qui court change le plaisir. Et que le monde d'amour nous fait vivre. Et c'est le temps qui court. Ce matin, nous sommes en train de rédiger nos comptes rendus et nous continuons notre courrier. Ce reportage filmé par Jean-Claude, notre vidéaste. Thank you.
l'opération arrive bien à son terme. La mère est de plus en plus souvent dans le terrier. Il est merveilleux ce petit film, hein? C'était extra. Moi je le voyais pour la première fois, vous voyez, on vient de... C'est simplement un jeu, mais il y a aussi les mâles qui se battaient à un moment donné, on a bien vu, pour qu'ils aient leur territoire, si vous voulez, pour protéger leur femelle de notre mâle. J'arrive. Oui, vas-y. Alors, il y a une famille qui vit dans un terrier, mais lorsqu'elles hibernent, vous savez, un terrier c'est quelque chose d'horriblement compliqué, c'est un véritable labyrinthe de galeries, de chambres à l'intérieur, très 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 bien organisé en réalité. Mais une seule famille vit dans un terrier, mais il y a plusieurs terriers qui peuvent se rejoindre, et au cours de l'hibernation, il peut y avoir plusieurs familles dans un même terrier. Il y en a nous. Un peu les allées et venues des marmottes, certainement, ils ont mis du temps.
thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're you
l'âge des anges nous amène les mots d'espérance du ciel en message du Seigneur. Wait for tomorrow.
il s'appelle Geoff Boulanger, puisque je lui ai demandé comment il s'appelle. Alors, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Geoff? Il dit donc qu'il est chien d'avalanche, de recherche et d'attaque également. Vous me comprenez bien, au fond? Il faut plus de temps pour que les odeurs sortent du manteau neigeux, pour que le chien... Lorsque nous intervenons, tout simplement, il y a toujours un petit délai. Le temps que l'avalanche se produit, la personne se fait coffrer, l'alerte est donnée, nous décollons avec l'hélicoptère, puisque tous les secours se font, sauf par le grand mauvais temps, l'hélicoptère. Il y a toujours ce délai de 20-25 minutes. Donc forcément, les odeurs sont revenues à la surface. Voilà. Oui ? A-t-il déjà sauvé des vies? Alors, sauver des vies, pour moi, ça veut dire arracher quelqu'un d'une mort certaine. D'accord? Il a déjà trouvé des gens, on va dire comme ça. Hein? Je préfère. Il en a trouvé, mais je ne tiens pas les statistiques. Je ne sais pas. Bien sûr. Donc, tous les stages que nous subissons, c'est un grand mot, puisque nous sommes volontaires. Tous les diplômes que nous décrochons, bien sûr, passent par une sélection. I'm
Félicitations. Bien, mon bras, c'est bien travaillé. Débutant, il était. Aurélien Morel. Ouais. 36 points. Ouais. Non. C'est comme ça. Première étoile. Louis Henrion. Ouais. 36 points aussi. Ça attaque. Ça prouve. Arnaud Lotte. Ouais. 34 points. Oh, 2 points de moins que les copains, mais t'as réussi. C'est le principal. Il a dit ça déjà. Ouais. 34 points. Ouais. Ils m'ont mis. T'es dur de se contrôler. Hein. Bon, je sais pas. Oh, toi, non. Ça fait des dents premiers. Avec une médaille, imaginez un peu. Hein? Et Louis qui a fait sa dernière descente en traîneau. Mais qui peut se déplacer sans place, mais qui marche. Alors, ma puce, toute la bille. Oh. Alors, 3e étoile. Voilà ma grande. Margot. Adrien. Ouais. Merci. Lucie. Ouais. C'est juste, juste. Benoît. Pardon. Menendi. Ouais. Je te l'avais dit. J'avais dit Menendi que tu m'aurais, hein. C'était chaud. Alors, et deuxième étoile, Charlie. Ouais. Tiens, ma grande. Voilà. On ne peut pas faire mieux. Voilà. Voilà. Ce matin, nous découvrons avec plaisir les joies de la raquette dans la vallée de Malgoère. Dans la vallée, on fait de la raquette avec Paul, Paul et Francis. On découvre la nature, les arbres et les traces d'animaux. Oh, 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 voici nos images. Thank you.
que pendant la nuit, là, l'Isère est très froide, hein, l'eau est très froide, et il y a une condensation, chut, attends, ne démolis pas, c'est joli, il y a une condensation qui se produit, si vous voulez, c'est la rosée, la petite brume, hein, qui gèle, hein, le givre est constitué par le gel de tout ce qui est brume, brouillard, de petites, voilà, c'est ça, c'est tout, mais c'est pas forcément de la neige. Alors, avec la même température, ça ressemblerait bien à une crotte de renard. Il y a des poils dedans, je sais pas si quelqu'un voit, il y a des petits poils, donc il a mangé quelque chose. Par exemple, oui, un rongeur. Par contre, est-ce que c'est un renard ou un chien? Ça, c'est difficile de faire la différence. C'est un renard. Non, mais attends, attendez. C'est difficile de dire c'est si ou c'est pas si ou c'est pas ça. Hein, parce que le renard, là, on voit des traces, vous voyez, elles sont à moitié recouvertes. Encore une fois, les traces, c'est pas une science très exacte. C'est ça. Voilà. Oh, bah, ils sont là. Faut toujours se poser des questions. Non mais. Attends. Mais... Attendez, je vais encore un peu là pour ça. Est-ce que vous voyez comme neige là? Est-ce que c'est des. C'est de la poudreuse, c'est de la poudreuse. Ouais, c'est de la poudreuse. C'est une sorte de poudre. C'est une sorte de poudre, ouais, il y a même des cristaux. Peut-être que vous reconnaissez de près. Vous pouvez regarder même ailleurs, partout, c'est pareil. C'est hein. De roche, non? Non, bah c'est des cristaux de neige, bien sûr. Bon, maintenant, après vous viendrez voir chacun à votre tour. Hein. Pour ceux qui ont de la glace, des cristaux, oui, des grains. Donc c'est la neige, c'est encore pas vraiment de la glace, c'est encore de la neige, mais en grains. Alors, et en dessous, il y a le sol. Bon. Oh là, il y en a plein de la glace. Ouais. Voilà. Alors, pourquoi elles sont pas pareilles ces deux couches de neige? Oui. Parce que plus on. J'ai vu ça dans le reportage, là, plus on va. Ouais. On va creuser, plus c'est plus on va dans le plus parce on va que là profondre. C'est de la vieille neige en fait qui est en oui, elle se transforme en glace. C'est de la vieille neige qui est en dessous, mais pourquoi ça se transforme en glace? Parce qu'il fait plus froid. Là, il fait plus chaud. Ouais, il fait plus chaud en dessous. Il fait plus chaud en dessous, oui, parce que la neige qui est au-dessus forme un isolant. Quoi. Hein voilà. Donc ce qui s'est passé aussi,
Peut-être, c'est que la neige qu'il y avait ici, elle était comme ça avant, c'est sûr, quand elle est tombée. Ben, par exemple, elle a fondu soit à cause de la pluie, soit à cause d'une température qui est remontée, et ensuite elle a regelé, c'est pour ça que ça forme des grains comme ça. C'est ce qu'on appelle la neige transformée. Si parfois il y a... dessus, c'est de la neige fraîche, quoi. Voilà. Ici, là, parfois, il y a des petits poudres.